L'Hermine de Nantes veut redevenir maître à domicile. Battue à Mangin il y a 2 semaines par Saint-Chamond, les basketteurs nantais ont à cœur d'effacer l'affront en recevant le Havre vendredi. Actuel 10e de Pro B, les hommes de Franck Collineau veulent continuer à regarder vers le haut du classement. Coup d'envoi à 20h, salle Mangin-Beaulieu. Un match sous tension pour les Canaries. Samedi, les footballeurs nantais, 17e de Ligue 1, affrontent Lille, 19e, qui n'a pris qu'un point à l'extérieur cette saison. Moins de 20 000 spectateurs sont attendus à la Beaujoire. Pourtant, les Canaries auront besoin du soutien du mur jaune pour se relancer, eux qui n'ont pas gagné à domicile depuis le 30 septembre. Coup d'envoi à 20h samedi. Plus d'infos sur le site internet du FC Nantes. Derby basket ce vendredi à Rosay. Dans le championnat de National 1 féminine, le BCSP reçoit son voisin, la réserve du NRB. Trajectoire différente entre le BCSP 3e au classement et un NRB en quête de son premier succès. Coup d'envoi à 20h, salle Arthur Dugas. Ce week-end est aussi l'occasion d'aller à la découverte du foot fauteuil. Le gymnase de la Barboire accueille une journée de Division 3. Entrée gratuite samedi et dimanche à partir de 10h30 pour venir supporter l'équipe nantaise. Plus d'infos sur la page Facebook du Nantes Football Fauteuil. Une nouvelle rencontre pour les tennismen du SNUC ce week-end. Après avoir concédé le nul face à Nice le week-end dernier, les coéquipiers de Gleb Sakharov reçoivent Sano à Saint-Gratien. Première rencontre dès samedi 10h sur les courts du stade Pascal Laporte. Semaine chargée pour le NRMV. Les volleyeurs nantais se déplacent mercredi à 7 avant de recevoir Nice samedi à l'Arthur Dugas. Deux succès face à 7 et Nice permettraient aux hommes de Martine Desmar de recoller à la tête du classement de Liga. Coup d'envoi à 20h, salle Arthur Dugas à Rezy. On termine en prenant la direction de l'Hippodrome de Nantes. Dimanche à partir de midi, il accueille une réunion de trot. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et plus d'infos sur le site hipponantes-courses.com.